Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui sera consacré au public postage avec Word et Excel. Tout d'abord, c'est quoi le public postage? Le public postage est appelé aussi fusion ou mailing. C'est une technique qui permet d'envoyer un courrier électronique à un ensemble de destinataires. Pour comprendre, on va travailler sur ce schéma. Dans le public postage, on utilise une source de données qui peuvent être sous forme de Word, Excel ou Access et qui comportent des informations organisées sous forme de champs et d'enregistrements. Comme vous voyez sur cet exemple, on a deux champs, nom et mail, et on a trois enregistrements. Un document de base qui constitue un modèle et qui comporte des champs de fusion où viendront s'insérer les informations contenues dans la source de données. Et comme j'ai déjà dit, le public postage consiste à reproduire le document de base en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires. Comme ça, chaque exemplaire comporte le contenu spécifique à son destinataire. Et enfin, on obtient ce qu'on appelle les lettres types qui constituent le résultat de la fusion public postage. Ces lettres types sont généralement imprimées et expédiées aux intéressés. Comme ils peuvent être sauvegardés sous forme d'un nouveau document en vue d'une expédition ultérieure. Bon, pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va passer maintenant à l'action.